ça on a fait. On a bien avancé quand même, hein. Ça on a fait. Le comique on a fait, ça on a fait. Ah, on en est là. Chapitre 9. Une fille avec un groupe d'hommes. Non, le mec à droite, non, c'est pas le même Noachi, hein. Julia Chanel était un bijou, grave. Du coup, c'est quoi? C'est mon cinquième stream Super Séduceur ou mon quatrième stream Super Séduceur, les gars? Je crois que c'est mon cinquième, non? Je vais faire un tweet. Je vais faire un tweet. Excusez-moi, je fais mon petit tweet. Attendez, comment il s'appelle lui déjà? Comment il s'appelle le mec? C'est quoi son Twitter à Richard Laruina? Je sais pas quoi. Attendez, il faut que je regarde. J'ai envoyé un message à autre gens. Merci beaucoup Grivard pour les 19 mois. Attends, il est où? Richard Gambler, c'est ça son Twitter? Ah ouais. Attendez, je fais un truc. Bon, vous êtes prêts ou quoi? C'est reparti pour une barre de rire. Allez, une fille avec un groupe d'hommes, ça va partir en gangbang. Tout ça, c'est parti. Allez, on y va. La foule parle et rit. Ah, il y a notre comique préféré avec... Ah, par contre, ils n'avaient pas de budget pour une deuxième chemise. C'est la même chemise qu'il avait dans le truc précédent. Te lier d'amitié avec une autre fille et l'envoyer à ta place. Tout le groupe. T'approcher du groupe. Tout le groupe. T'approcher du mec en face. Celui à qui elle parle. T'approcher directement d'elle. On va aller s'approcher d'elle. Ah, ok, donc... Oh, merde! Baby, you're so sexy. Get off me! Get off me! Ah, il va se faire défoncer, lui. T'es mal, le petit Renoir! Je croyais qu'on était elle, mec. This is generally dangerous, not the best way. If you get an indicator of interest first, or if you're just really, really good, or if you're a UFC fighter, it's okay. C'était Kevin Hart, je te jure. Bon, il était avec une autre fille et l'a envoyé à ta place. Tout le groupe. T'approcher du groupe. Boom. Je suis comédien. Avec son accent écossais. Hey guys, all right? How are you? How's it going? Good. Cool. This is a nice way to. T'as aimé Dead Cells, ouais, c'est stylé, ouais. J'ai jamais joué à ce genre de jeu où, en fait, t'as pas un parcours où tu dois avancer et tu continues. C'est le seul truc qui me gêne, mais le jeu lui-même, c'est fun, ouais. Yeah, they'll get defensive, and it's also a nice way that to see that he can interact with her friends. Yeah, especially if you can win them over and they like you and would kind of vouch for you.
Demandez dans quelle salle de sport il s'entraîne. Qu'est-ce que des blaireaux comme vous font avec cette superbe fille? Bah oui, forcément. Faire semblant d'être gay, parler de foot. Ouh! B ou C, les gars. B ou C, B ou C, B ou C. Mettez-moi ça dans le chat. B. C. C. B, C, C, B, B, C, 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 D, C, 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 B, 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 C, 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 B, 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 C, 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 B. Ah, il y a plus de C que de B quand même. Il y a un tout petit peu plus de C. Allez. Oh my god, there's so many men here. Hi guys, that makes me H-A-P-P-Y. And right now you're making me H-A-R-D. It's not that bad, just not right here, yeah? Mais en fait, ça avait marché, il a fait partir les mecs. Allez, on fait B pour le plaisir. Pour le plaisir. I just gotta ask one thing. What is a bunch of epic fucking losers like you doing with a hot babe like this? Have you seen your face? Téma, Arnold, Arnold et Willy qui veut s'embrouiller. Not a good one here, yeah? No, not if you want to get in with her friends potentially as well. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Alors. Ah putain, me casse les couilles à toujours m'appeler en stream, putain. La casse-couille. Bon, on y retourne, les gars. C'est bien. Baston de sub, y a rien de mieux. Quoi? Le gros relou pas drôle est quand même une chance de s'en sortir. Je te jure. Allez, on y va. Bon, du coup, parler de foot. Non, demander à quelle salle de sport il s'entraîne. Hey man, how's it going? I swear to God, I've seen you down at my gym, Gold's Gym. Do you work out there? No, I work in LA Fitness. LA Fitness, how about that, man? Like, you look pretty hench. What do you bench? 130 kilograms. 130 kilograms? That's amazing. That's amazing. I bench like 80. How do I get up to 130? Just hard working and determination. Yeah, thanks for the advice, man. Really, really, really appreciate it. That's fantastic. You're welcome. So, what's going on for about the gym life in the gym? Wow, le truc de relou. Talking to women about shoes, talking to tough guys about gyms and you know what they do for workouts and stuff is normally a safe option. And it's always good to get some common ground between him and the friends. Definitely. Ouais, sauf que là, t'as même pas l'impression qu'ils font partie du même groupe. Nice to meet you. Jack. Jack. Your name? Valde. Valde, cool name, man. Yeah. Over here. Pete, nice to meet you, Pete. I'm Leo. And your name? Anastasia. Anastasia. Oh. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Qui est célibataire ici? Convaincre les mecs de t'aider à coucher avec leur ami. Ah oui. Guys, listen. I've got a fantastic idea. Come here. Like, I really want to have sex with your tall friend there. Like, and I need your help to do it.
Now listen, you're both too short to fuck her. Like, but what I'll do is I'll give you two little munchkins, $10 each, and I'll let you have sex with my sister. Like, she's fine with Comment it. She's son not chin à lui est serré, mec. And like, in return, you're gonna help me have sex with your friend here, yeah? Guys, come on. Oh, what, you've already had sex with my sister? Guys, it was a joke. It was a joke, come on. Just chill out. Chill out. Yeah, you know, sometimes she does. It was a joke, guys. Come on, all right? Seriously? T'as lu le bouquin de la ruina? Non, les gars, déjà, c'est assez compliqué de jouer à ce jeu, mais... That was totally diabolical. Absolutely ridiculous. Diabolical? Diabolique, elle a dit. Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Allez. So, how do you guys all know each other? Oh, we work together. Oh, really? We work together. Yeah. Elle a la voix d'un lascar, la meuf. I'm the boss. You're the boss? I'm the boss. Oh my God, you gotta tell me, like, who's the favorite person in your team? Who's your favorite? Bah, va dire lui, là. Wow, bah ouais. The hardest worker. He's amazing, yeah. He's not the best looking, this guy is. No, all of them are good. Yeah. All of them are. Right, yeah. Oui, il est écossais, le mec. What about you? I don't work for your team. Yeah, I mean, I know. What are you doing? Have you got any positions opening up that I can fill? I can think about it. Right, cool. Definitely. Cool. Ah, le mec qui a chopé un boulot, il a gagné, c'est bon. Well, what have you got? What sort of work is it? Well, we work in a construction company. Construction, building like what houses. T'as l'impression offices? Qu'il y avait pas offices, no de script way. Like, et qu'il leur a dit faites votre truc. Around here, no, but right. In different other areas of the right, city. Cool. This is a classic question. It's the right option. Asking how they know each other will immediately tell you if. For example, she's married or unavailable. C'est le truc de Netflix, ça? Non, non, c'est pas Black Mirror, les gars. Non, Black Mirror, c'était stylé. Emmanuel, malgré que ce soit un jeu, tu trouves qu'il y a des bons conseils dans ce jeu? Très rarement. Le problème, c'est que les conseils qu'ils donnent, c'est des conseils cucu. Genre, il faut pas être mal poli avec les filles. C'est que des trucs que tout le monde sait. Ils donnent pas des conseils... Il ne donne pas des conseils vraiment qui vont t'aider. C'est pour ça que j'aime bien, moi, à la fin de chaque fois que je fais un épisode, me poser avec vous et répondre à vos questions. Perdre un pari pour leur payer des shots, les affronter au bras de fer, dire alors, qui va prendre des shots? Alors qu'il va prendre des shots. C'est con quand il n'y a pas un truc drôle. Let me know. This is a serious question. You've got to tell me which one of you has had sex with her since you came in here, because she has definitely been fucked in the last 5 minutes. Am I right? Am I right? Fuck you, asshole. Oh, that's fucking awesome. Oh my God. He got it. Definitely got it. What a bitch. He got what he said. He got it. He definitely got it. He's not going to get very far with that one. Allez. Guys, I've got this amazing talent. You're not gonna believe amazing this. Talent. I can guess people's ages within like maybe a year either side. You don't believe me? Nah. You don't believe me? I bet you a round of shots that I can do this. I'm gonna guess your age. Okay. I'd say you're 42. Nah. How old are you? 23. Oh, well, I guess shots are on me then. Come okay. On, let's okay. Go to the bar. Yeah. Le mec qui a perdu exprès, quoi. In this case, yeah, it's the right option. Moi aussi, j'ai cru qu'elle allait lui mettre un coup de tête quand elle a fait. So, you know, you might want to replace this in real life if you don't have money to go buy everyone shots. But in this way, it's a great kind of way to infiltrate the group. And, mais des fois, limite, tu dis salut, ça va, et ça finit. Non, je vais t'enculer. Ouais, ouais. And after you've done something nice for people, it's hard for them to then kind of want to dismiss you. Yeah, it's always good to be the party starter. Mm-hmm. Guys, come on, let's go round here. Let's go over here. What's everybody drinking? Come on, it's my round. It's my round. Hey, Pete, have I introduced you to someone? Let me do it. Excuse me. Have you met my friend Pete? No, I haven't. I'm Pete. Hi. Nice to meet you. Hi, Pete. Ah, le malin. So, why don't you tell me more about yourself? How about you? I'm an arm wrestling champion. You want to go for it right now? Yeah. Let's do it. Ah merde, il va se faire mettre à l'amende au bras de fer. Au pire, il lui casse le bras.
détruire la meuf. 10 minutes plus tard, le mec est en train de la ken dans les toilettes. Wow. Nasty, it's great to meet you. It's great to meet nice a girl who's too. So tall. You carry it so well. Thank like, you. Imagine in the future if we had kids and got married, those kids would be enormous. Yeah. By the way, when we are married, you're not borrowing any of my clothes. Sorry. Sorry. I prefer mine. I think they're much nicer well, than I, yours. I can't you can argue take my with shoes that. Though. Yeah, maybe I will. Maybe I will. Il gère l'Écossais quand même. Je te jure, les géants. Lui dire qu'elle t'excitait quand elle faisait sa garce avec toi. T'es vraiment pas assez sexy pour te permettre d'être aussi méchante. Bon, elle a même pas été méchante. Dire que tu pensais qu'elle n'était pas sympa mais qu'en réalité elle est cool. Leur montrer ton vagimal. C'est quoi un vagimal? C'est quoi un vagimal? Si tu connais l'extension Twitch qui permet de voir où les viewers mettent leur souris. Ça pourrait être marrant avec ce jeu. Mais est-ce qu'elle marche, l'extension Twitch, sur ce jeu? Il me semble qu'on a regardé et que ça, c'était pas... Ah, il faut que je vois ça. Guys, I'm gonna show you my party trick. Look, everybody look the other way for a moment. Look the other way. Look the other way. Look, guys. Look. It's the mangina. Oh my god! It's a mangina! Oh merde! It's a fucking mangina! Les mecs, eux, ils sont morts de rire, elle est choquée! It wasn't very good. Mm-hmm. Probably shouldn't do it, yeah? Oh merde! Il s'est mis la bite entre les jambes. Tu vois, ça, c'est un truc que je peux pas faire, moi. Oh merde! Allez! Anastasia, you know, earlier when we were at the bar, you were kind of dismissive to me, and I thought you were maybe just like a rude person. But actually, I'm glad I've had a chance to get to know you and see that you're actually a really cool person. Thank you. I think it's just good sometimes to give a person a second chance. Yeah. Oh! That's the right option, because you've picked her up on, you know, what she's That's how we do it in Germany normally, yep. Willing to give her True. A second shot. I've been to Germany a couple times and they do so it yes, like I'm this. Doing this festival in Twickenham. It's really good fun. You get like unlimited free posh food, champagne, oh, lobster, nice. Steak. Is it's great in Twickenham. Ah merde, le petit Renoir, il se ramène. Thanks for the drink, Leo. But I think Anastasia is getting bored, so I think you should leave. What? L'envoyer balader, dire à la fille qu'elle peut te trouver bien mieux que ce blaireau de consanguin. Lui dire que tu termines la conversation et lui demander de te payer un verre. Embrasse le mec sur la bouche pour avoir le dessus. Embrasser le mec sur la bouche. Come on man, what's the problem? Let's be friends. What is wrong with you, man? Wow. What is wrong mais with you? Mais c'était pas sur Bring la bouche. My head. Bring my head. What's wrong with you? What's wrong with you? Ah I'm cette fausse embrouille. That. C'était même pas sur la bouche. These guys. No, I wouldn't suggest that either. Dire que tu termines ta conversation et lui demander de te payer un verre. Dire à la fille qu'elle peut trouver bien mieux que ce mec, ce blaireau consanguin, bien sûr. Anastasia, why are you hanging around with these inbred freaks, these gym nutcases full of steroids, the big veins popping out in their necks? You're a hot babe, Anastasia. You could be with a piece of prime Scotch beef like me, baby. I don't know what's going on. You were really nice until now. And now you're insulting my friends just like this. La Anastasia, really la pure russe. I don't want to talk to you anymore. Does this mean you're not going to sleep with me? T'es mal, le petit, il est tout content. Not good to piss off the friends, right? Never good to piss off the friends. Mais j'ai déjà fait le kiss, Mao. Ah oui, tu veux dire, ouais, ils nous ont clickbait et il n'y a pas eu de kiss. Not going to work with her. Tu sais que c'est le petit Renoir qui a dit non, j'embrasse pas un lascar. L'envoyer balader. Actually, I'm having a really good time here, and I think Anastasia is too. Yeah. So I'm gonna stay. Boom dans so ta gueule. Difficult situation here, and you chose the right option. You know, the guy's come in, obviously. He On dirait qu'il y a ça, le petit Renoir, je te jure. Ça se trouve, c'est lui.
Non, ça se voit que c'est pas lui, mais même. Jake supposed to bring document at your table in the morning so that okay. you sign it and for the project to go on. Okay. I supposed to have it by 10. No, he said you're going to bring it before 9 o'clock. Okay. So that's perfect. Okay. Cool. Bon, vas-y, bouge. Revenir au sujet précédent. Attendre qu'ils aient terminé. Essayer de reparler à Rebecca. Mais attends, elle, c'est Anastasia, c'est pas Rebecca. C'est qui Rebecca? Actually, I have a question coming. Yeah, sure, you can go as soon as the project is finished. Where are you going? Planning to go to Seychelles. Oh, the Seychelles! Okay. The Seychelles, amazing! You go to the Seychelles! Do they have seashells in the Seychelles? Seashells in the Seychelles. You go to the toilet, right? So yeah, kind of fell for his ploy there to get rid of you. And bah ouais, je te jure. Rebecca, elle s'appelle Anastasia depuis le début. Oh my god. Allez, revenir au sujet précédent. Hey, so you said you work for a construction company, yeah? Yeah, I'm a supervisor. Cool, cool. What project are you working on at the moment? For the office buildings. A building an office. Et le nain, il est vénère. Yeah, very good. Cool. You know my sister's actually an architect. Oh, really? Interesting. Great, good job. This is the correct choice. It's always good to steer the conversation back. You don't want to be left at the sidelines, not being able to get back into the conversation. And I guess if you do want to ruin something for another guy, you can just do the opposite and have a private conversation with the object of his affection. Yep, jeopardize that for him. Gosh, I feel a bit tipsy after this shot. Eh, le petit Carlouche, oh, il est vénère. Mec, nice. Au moins ton pote, le gros, là, il a compris que... I wanna go dancing. Elle est dansée avec elle, bien sûr. I love dancing. Let's go and dance together. Let's go. Oh merde, il passe au-dessus de la tête du Renoir, merde. My yearning. This is great, and I think, you know, even if guys can't dance, first they should learn at least some basics, but also, in this case, you know, these tough guys don't look like big dancers. Le Kevin Hart du pauvre, je te jure. And I think ils ont pris Arnold de Arnold et Willy, Kevin Hart, ils ont fait. Le voilà. You feel my yearning, yearning. J'adore cette chanson, je connais pas du tout. Lui en taper 5 et le faire tourner, faire un limbo avec une écharpe, faire ta super danse, attraper la fille, essayer de danser collé serré. Faire ta super danse. These guys again, you made a big mistake, thinking out dance a Scotsman, let me show you something. Woo! Yeah, Pepe! Genre ils s'en vont tous. Genre ils s'en vont tous. Mais c'est quoi ce jeu, putain? Genre oh non, il nous a choqué. Il danse comme ça, il s'en va. Mais t'es Ah lui qui, il y en a au moins un qui va se faire sucer ce soir. Au moins un qui va se faire sucer. Can I have a whiskey, please? Le bar est ruiné maintenant. The best one here, right? Didn't work out well. Nope, didn't work out well for him. J'aimerais bien le voir faire le limbo là. Oh man, this guy. I know what. Hey, limbo! Everybody, let's have a limbo party! Rebecca, Pete, come on! Limbo, 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 limbo! Qu'est-ce qui est... Ah bah le Carlouche, il a même pas besoin de se baisser. Hein.
Lui avec son pantalon serré, il est dans la merde. Je sais pas ce qui est mieux, ça ou la queue leu leu. Non mais en fait je crois que Rebecca c'est l'autre, la blonde qui est au bar. Parce qu'il a dit Rebecca, Pete, venez danser. Limbo. Tout le monde s'éclate à la queue leu leu. Tout le monde se marre à la queue leu leu. Les trucs comme ça, c'est la France, les gars. Je vous rappelle que c'est français tout ça. Pete, il va serrer. I enjoyed that. I don't normally enjoy dancing, but that was fun. Thank you. Ouais, même chez AB Productions, les scénarios étaient meilleurs. Thanks, I enjoyed it too. And you're a real gentleman. L'éclairage est bien. Don't overdo it, because I'm a feminist. Don't overdo it, because I'm a feminist. N'en fais pas trop, je suis féministe. Je me définirais aussi comme un féminazi en plaisantant. T'emporter sur le suicide et la dépression des hommes. Je ne sais pas si je suis féministe, mais je crois en l'égalité des chances. Ça veut dire que tu ne fais pas de fellation. Oh, so you're a feminist. So I suppose that means sucking dick is off the table. I give very good kicks. Oh, bastard. Oh, oh. I don't suppose I can get a hand job. Ah. Oh. 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 Ah. 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 Think about that one. Yeah. Ah. That's not going to work with any woman that I'm up. Ah. How about you? I don't normally. No, I don't think I've asked that specifically. Good. I'm glad to hear it. Et toi, les chaussures, toi? A correlation between feminism and blowjobs. I can safely assure you there isn't. Je me définirais aussi comme un féminazi. Bon, là, tu sais qu'elle va t'emporter sur le suicide et la dépression des hommes. Allez, hop. You're a feminist. I suppose you're going to lecture me on male privilege next. Like, where's the male privilege when there's so much suicide, depression, and drug abuse in men? Wait, another thing, the tampon tax. People complain about 20p on a packet of tampons. Like, try paying for dinner. Another thing, like... 97% of workplace related deaths are male. That means for every 33 men who like fall off an oil rig or get crushed in a mine collapse, like just one woman. Just merci one woman Nefel pour le host. Ça fait super zizir. Pour le raid. From the Guardian is going to try and ban this game. Oh merde. Oh. She's gone. Nefel, il faut que tu fasses ce jeu. At least she bought me this drink. Tu sauras comment draguer en tant que mec. I mean, a little bit morbid? Not the time or the place. Or the time or the place. J'aime trop le mec qui met des fausses patates. Allez, je me définirais aussi comme un féminazi. Yeah, I'd describe myself as a feminazi too. Like, I love shouting at men. Are you joking? Yeah, I'm joking. I'm a comedian, remember? Come on. Okay. Are you joking? So feminazi. Bah oui. Ah ok, d'accord, c'est bon alors. I just think there's too many negative connotations with that. Ouais, donnez des follow à Nefael, les gars. No, not even with an LOL on the end, no. Oh, you know what? Non. Recently I signed this petition against the sexist game on Steam, and I think you should do it too. Ça s'appelle Super Séduceur. Lui dire que tu trouves aussi ce jeu affreusement misogyne. Lui dire que c'est là que tu as appris tes super techniques de drague. Lui dire que ce jeu est génial. Yeah, play that game. That's where I learned all the smooth moves to pick you up. So you really play that sexist game? Oh yeah. Oh yeah. No, I don't want to talk to you anymore. Il prend la claque, 3 secondes de lag, la tête qui fait ça. This could be true, but yeah, it's considered wrong for some reason. For some reason. Mais c'est là que tu vois que Richard c'est un génie et qu'il est très conscient de ce qu'il fait.
Oh yeah, I totally agree with you about that game. The guys who make it are misogynistic. C'est un génie, le mec. Pricks, especially je vous le dis. That long-haired one. Even Piers Morgan. Merci beaucoup, PH00049, de rejoindre la Team Canette à partir de maintenant. Nous sommes prêts. Merci, merci. Le code que tu as sur Twitch, c'est pour l'instant gaming. That's cool. Lequel code tu parles? What are you doing? Come on. Not right, obviously. So do you play any computer games yourself? No, not at the moment. But I used to play SimCity when I was younger. SimCity, I used to play that too. That must be why you moved into construction, am I right? Hey. Oh, les deux relous arrivent. Time is up. You had your fun. Now, fuck off and leave me alone. Mais pourquoi elle dit pas, yo les gars, je passe un bon moment, arrêtez de me casser les couilles. Je m'en irai si c'est ce qu'elle veut. Elle peut décider toute seule. Les remettre violemment à leur place. Botter le cul de tous les mecs. Allez, on va à la bagarre. Listen, I have had enough of you meatheads. The guns are gonna teach you a lesson. Yeah, that's right. Take Mary's side. Let's get this done. Mais l'autre, elle dit même pas yo. So obviously Leo is not a big tough guy. But what do you think? Merci Sacha, 655 de rejoindre la Team Canette à partir de maintenant. Nous sommes frères. He's supposed to be her friends. He needs to make an effort with them. It's not surprising why this didn't work. Mais elle, toi, t'es une teubée, mais de ouf. Boom. Guys, it's 2022. She's a feminist. She can make c'est up her 2022, own mind. Il a dit. Anastasia, do you want me to go? No, guys, just take it easy. He's not a bad guy. I are prefer him to stay. Are you sure? Yeah. Okay. Le gros Jack là, ils lui ont dit non, non, mais toi tu parles pas dans le jeu. Non, non, on va laisser le petit Carlouche parler. Toi, tu fermes ta gueule. Pour les 5% de réduction, Instant Gaming, on n'a pas de réduction avec eux. C'est Fnatic. Mais si tu vas sur Instant Gaming en passant par notre lien, nous on chope des crédits. Avec les crédits, j'achète des jeux où je fais des giveaways. Yeah, you're putting her in the higher status, giving her Road value, to, okay. And putting the ball in her court for her to control the situation. Yeah, sure, why not? Okay, great. Let's go. Oh là là, Arnold, il est vénère. All right, cool, you got to the end, well done. Not the best ending, could have been a little bit better, but also not the worst. Ouais. Tu es l'exemple de la personne qui aime la vie comme il faut continuer comme ça. Merci Sacha. This is a nice way ouais, ta gueule, on va passer au prochain niveau parce que. Ah, on est passé avec un Suédois. Yes! You can never touch this baby, you can never touch this. Alors attends, juste pour être clair, le mec il vient de passer un niveau en jouant la manette tout en mangeant une banane. Oh yeah. Stephanie. How are the things with your husband? My husband, he's amazing, you know. Mec, I'm je so sais pas ce qui est pire, l'acting de cette meuf là ou la yeah, ou so la like perruque de celle-là. Thank you. I want to have someone to rely elle est mignonne to, comme tout. Bon, elle a pas de sein, mais sa perruque là, JPP mon pote. So I'm sure you find someone. Hey, c'est le petit Renoir qui était dans la boîte, ils avaient pas de budget, ils lui ont mis une perruque. Bon maintenant tu vas être une meuf. Par contre elle là. Oh là là, c'est le petit Renoir de la boîte, c'est Arnold. Oula. Ah, Richard est là, il arrive. C'est le seul mec qui ose pas. Que des meufs. Oh, what's up, girls? How's it going? Elle, je la tue. Wow. Listen, I just saw je suis amoureux. Et elle, le visage. Les seins de celle-là avec le visage de la blonde. Par contre, Wesley Snipes, là, je kiffe pas trop. On dirait un peu Kendra Sutherland. Prends une carte, s'arrêter là. Hey, listen, while I'm here, can you give me your number as well? Hey, give the phone to her. Give it. You give me your number, yeah? Well, sexy. Téléphone dans la flotte. Ah non, le mec. Elle est belle, elle, de ouf. Hein. Elle, tu sais que... elle est pas loin de... Je veux dire,
quelques années et bon. Elle, par contre, magnifique. Même si elle est jolie, elle aussi. Hein. Wesley Snipes, c'est moins mon style, par contre. Même si j'adore les Renoirs. Hein. Mais elle, c'est... sa perruque... regarde, elle. Oh là là. Oh là là. It's a bit greedy, though. Yep, you're choosing quantity over quality. They were quite quality as well, though, to be honest, both of them. And how did all those long-term relationships work out? Got wet. Ça a été là. All right, see ya. Have a good day. Bye. Ouf. That's the right move in this case because, yeah, shouldn't be greedy. And you can put quality over quantity. Yeah. Ça y est, t'as dit ça juste avant. See, even this guy went straight to Diana. Oh no, don't say that. You know, I could find you a nice guy on Tinder, you know. On Tinder, you know? I don't think I can find really tu nice sais, guy on Tinder. Tu sais, je suis en train de faire Demolition Man 2. Trust me, I got this. Can I have your phone? Okay. Yeah, trust me. Okay. Même la coupe de Wesley Snipe dans Demolition 2 était mieux que cette perruque. Profile set up. Okay. Yeah, so let's see how this goes. Alright. Alright. Bro, mais qu'est-ce que t'as sur la tête? C'est quoi? C'est ça yeah, fait flipper. That's it. C'est une méduse africaine qu'elle s'est mise sur le crâne ou quoi? Right, well that's enough Bloodborne for today. What next? It's time to get some girls. C'est l'heure de choper des filles. Now, what pictures shall I use? Il dit, j'ai fini de jouer à Bloodborne. Qu'est-ce que je fais maintenant? You look so l'heure de choper des meufs. Oh. Yeah, I like it too. Yeah. Par contre, tu peux pas demander la moitié de la poitrine so de cette meuf? I think we'll have to put this picture. What do you think? Okay. And another one. Oh, wow. This one. Mm. You're like sexy legs, girl. Yeah. So nice. Yeah. You got sexy legs, girl. Okay. What do you think? You can take a look at this. C'est alerte à Malibu le truc, mais sans les gros ins. This one. Yeah. Par contre, ça j'aime beaucoup et ça j'aime beaucoup. No, I think you look too sexy here. You know. Trop sexy. C'est Tinder, teubé. You just wanna get laid. Je te préférais dans I la boîte. So. Well, I think so. I'm the pro here, so yeah. She's a prophet. Next. Wow, this is nice. Beautiful. What do you think? Elle dit oui. Oh, yeah. Elle parle pas. Info sûre, elle parle pas anglais. And you say, you don't... oh goodness, this is pretty, girl. I put this on Tinder and. Non, elle est super fraîche. C'est dommage qu'elle ait pas de ça. Un mélange d'activités qui te passionne et qui donne de bons sujets de conversation. Beaucoup de photos professionnelles et de portraits retouchés sur Photoshop. Une photo de toi avec un chat. Beaucoup de photos où tu bois avec tes amis. Beaucoup de photos de toi avec ta famille, avec des chiens. Et faisant du bénévolat, mettre une photo de toi torse nu. Bro. Definitely we'll use the picture with my top off. Ouais, Ido Niro, dans la boîte de nuit, ça déchirait, c'est trop barre de rien. This one, I think, might be okay if you have a great body, obviously. Yeah, or they obviously. Just think he's got nothing else to offer. When I think it's okay, is if it's kind of incidentally off. Uh-huh, so like not like you're sport, posing with it off, but... Playing volleyball. Beach volleyball, that's yeah. The one. What shall I write for my bio? It's quite important, right? I need to stand out. NAC 2, baby. Le mec il a un t-shirt de NAC, s'il te plaît. Passez la bio. Personne la lit et ça te donnera un air mystérieux. Émunérer tes passe-temps et centres d'intérêt et dire clairement si tu cherches une relation. Être direct. Je suis juste là pour pouvoir baiser sans payer. Blaguer à propos de ton allergie au chat car tu as des photos de chat. What to write? Ah, I know what the bitch is like. You dirty little slag. Just come and suck me off. You're gonna love it. What else? Yeah, get on your knees, whore. Mais pourquoi il met la main en l'air comme ça? It wouldn't work often, would it? No, it really wouldn't. Maybe like one in ten? Pourquoi?
Pourquoi il a fait ça? One in a hundred? Mm-mm. Oh là là. That looks lovely. Oh, thanks. Énumérer tes passe-temps et centres d'intérêt, dire clairement si tu cherches une relation. Allez, blaguer à propos de ton allergie sur les chats. Pourquoi il a les yeux qui ressortent de sa tête là? I know. Oh, I got the thing. Cat allergy law. Send. That's gonna work. Ah non, mais. So it's good to put il a dab, mais il a fait ça. If it can make her laugh perfect, right? Yeah, if you can make her laugh instantly on il a fait bio, un dab en regardant vers le haut. Meet her, that's merde. Great. And Sam is a dating coach in London. He runs a company called Fluid Social. And this is his actual bio, where he makes the joke about allergy to cats, but then has the cat pictures. Okay. Should I? C'est quoi les yeux qu'il a? Pourquoi on a l'impression que ses yeux, ils essaient de s'échapper de sa tête? Laissez-nous sortir! On n'est pas dans la bonne tête! On veut se barrer d'ici! Plouk, plouk! Oui, on s'est échappé! Pong, 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 pong. Merde! Oui, car on peut swiper à l'infini. Oui, car tu peux masquer ton âge. Oui, car les personnes ayant Tinder Plus sont prioritaires lorsqu'il y a des matchs. Oui, surtout si tu voyages. Non, pour économiser de l'argent. Non, ça donne l'air désespéré. That doesn't make you look more desperate. It could give you more opportunities. J'avoue que j'ai mis ce clic. Can make the most of the situation. Cool, well done. The right option. Cool, well done. Ce jeu vous est amené par. Maybe I should just choose everyone so I get more matches. Swiper presque toutes les filles vers la droite, être plus sélectif. Bon, là on va être plus sélectif quand même. No. No. Mais il n'y avait pas de photos sur le téléphone. Wow. Wow, she's really hot. No. Oh, il est tombé amoureux, lui. No. She's cute. Il n'y a pas de photos sur le téléphone. Arrête de tourner, on voit que tu... En plus, t'as une vilaine tache sur ton truc, là. Yeah. No. No. Cette tache me rend fou. This is an interesting one because Tinder actually wanted to be a good experience for the women, so they don't like guys that just match with everyone because then a lot of those matches won't turn into conversations, won't turn into dates. So they reward guys that are more selective. So yeah, pay attention to the algorithm and try not to just choose everyone. Huh, she looks kind of cute. Kind of cute. Her body though, so I don't know if it's going to be good. She looks all right. All right, t'es mal l'autre là, avec sa tête, il dit des trucs comme ça. Oh, hi mom. Il vient pas d'emballer sa mère là? Hmm. Swiper vers la gauche, ne pas la choisir, swiper vers la droite, la choisir. Hmm. Mais ton son téléphone, il est éteint! Obviously the wrong one, she won't look as good in person. Son téléphone, il est éteint! On a vu qu'il y avait pas de photo dessus! Putain! Le bisou sur la bouche de la mère. Vive l'inceste. Hi mom. Ah, il fallait pas la choisir la meuf. Sérieux? Cool, nice one. In most cases, people are going to choose their very best pictures. So if someone's just, you know, showing their pretty face, but you can't see even a hint of their body, yeah, it probably means that they don't have a great body. If this is a big importance to you. Mais bien sûr, arrête de faire la mytho, toi. Arrête de faire la mytho. You might be very, very funny. They're funny men that aren't the world's fattest, though. True. So I would have to go and meet them to find out if they were the funniest man ever. I could be missing my chances. Okay, well, that's very nice. So sweet. Come here, rigole. She looks good in this picture. But bad in this one. Hmm, what shall I do? Oh, in this picture, she looks minging again. La photo est probablement la plus réaliste.
Allez. Shall I? Le retour de Don Juan. Ah. Il a pas swipe. No, il a swipe. Good, because yeah, in my experience, people generally put their best photos. Especially nowadays, they have hundreds and hundreds and hundreds of pictures of themselves. Yeah, they do. That's true. So if they still have some bad ones, it's kind of yeah. Putain, yeah. C'est dur des fois. Le Death Note pose. Ouais, il swipe en mode Yu-Gi-Oh, je te jure. Should I? Nah, better not risk. Pourquoi y a Caris qui se fait masser? C'est en préparation pour son combat contre Boubette. Yeah, in most cases, people will choose their very best pictures. So even if a few of those ones look really bad and, you know, a couple are good, you should probably trust the worst ones because, like I said, yeah, they choose the ones that make them look best. Yeah, that makes sense. Yes, got a match. Fuck. She's really hot. J'ai cru qu'il allait se taper le mur. Le gars se croit beau avec une petite beubare et les cheveux en l'air, mais c'est un coton-tige. Je te jure, avec les yeux de Gollum. No shit. Oh, meuf, arrête, pousse ton bras là. Ah, voilà, elle m'a écouté en plus. Oh, well, let's see what he messages. Hopefully, he's not some other dumbass on the Tinder because we have lots of weathers there. Like everywhere else. Non, c'est pas Anapolina la brune, mais pas du tout même. Yeah. Il a bien sympa, mais il a commencé à envoyer des photos de sa bite. Yeah, imagine. And it wasn't even that big. It was so little, yeah. And he even had the guts to send it. Crazy. T'es mal l'autre qui fait la meuf genre un peu choquée. She's studying tech. La Renoir, elle me tue avec sa perruque, je te jure. C'est le petit Renoir qui était dans la boîte. Et il est relou cet épisode 1. Qu'est-ce que tu préfères, une station de ski dans les Alpes ou un voyage sur une île? La réponse peut en dire long sur ta personne. Hey, salut, comment était ta journée? Envoyez plusieurs emojis. Salut Tania, la technologie, hein? Intéressant, tu préfères Jeff Bezos ou Zuckerberg? J'aime bien le truc Guess I could ask her an interesting question. Ski resort or getaway? J'envoie pas de dick pic, les gars. Info sûre. Je suis pas ce gars-là. En plus, pensez-y, hein, pourquoi je vais envoyer des dick pics alors que vous pouvez prouver ma bite partout, quoi. Not too bad. But I think he must have learned about this in an online article or some computer games and sent it to all the girls. I think so. True, but it's not the usual. Hey, what's up? Okay, let's see if he gets better. Good question for a generic line you can send to anyone. Island getaway, I guess. Guess could still work. Good choice. Okay. I bet you spend too much time in front of your computer if you are studying tech. No laptop on the beach, deal? Yeah. Yes, ma'am, back on track. Glad you read my profile. Ooh. Cool question. But the problem is la petite brune, elle est trop mignonne. Ouais, elle est vraiment mignonne, ouais. Ladies. It could be a generic one. But as generic ones go, yeah. Not too bad. And you know, on peut trouver ta bite partout avec Google. Bah oui. Donc, quand les gens disent. Le pire, c'est quand ils disent envoie-moi une photo de ta bite, mais que tu as pris que pour moi. Je lui dis bah, envoie-moi un virement bancaire que tu envoies que pour moi. I can read, I can talk, all kinds of crazy tricks. And send. And send. Le mec, il fait que des mouvements. Well, I hope it's not the mangina thing again. Girls, you should be careful anyway. It might not even be his real picture. Oh. I heard about a guy who uses someone else's pictures and you don't even know until c'est Mahmoud. Oh, don't worry, my darling. Ah merde. I'm gonna make sure. Vous avez raté, c'était Mahmoud, la caméra était juste là. Putain, peut-être que du coup, attendez, peut-être que du coup, faudrait que je mette ma caméra là.
C'est quoi ces demandes que tu reçois? Mec, je reçois des demandes de meufs, de mecs de tous les jours. Pourquoi vous restez kiblo sur le physique du gars? Le gars, il est pas beau, c'est subjectif. Je suis d'accord avec toi. Là-dessus, je suis d'accord avec, toi. Je peux me sucer la bite, mais ça sera mieux si c'est toi qui le fais. Pouh! Allez, on lit même pas les autres. What to write? I know, my dick. This is gonna impress the shit out of her. Well, okay, ladies. We've got another psycho. Oh, that's actually impressive if it's true. À la blonde a dit, ah, moi j'aimerais bien voir ça. Yeah, I find that disgusting and partage I les meilleures demandes, Manu. Je peux pas vous les montrer. Tu peux envoyer une photo de ton clavier rien que pour moi. Comme si elles ont eu le temps de dire, ouais. Je ne vais pas te dire ça tout de suite. Dis-moi d'abord trois choses intéressantes à ton sujet. What shall I write? Ooh, I've got something clever. And I'm so smart. L'autre, il va se faire pépon par Mousse Diouf, je te jure. Il est pas mort, Mousse Diouf? Oh. What did he write? He's asking for some interesting. Tu leur réponds pas tous quand même? Ah non, je réponds jamais même. He's bold. I'll say that for him. But let's not answer him for now. Nice one, good choice. And en fait, c'est lui le mec, la meuf. Just like in many dating situations, being just a little bit challenging sets you apart and is good. Yo, Kenny, ça va ou quoi? Je te jure, Kenny, comment ça se passe sur Atlas, ce jeu incroyable. Atlas, super séduceur. Le mec qui se fout de la gueule du jeu Atlas alors qu'il est en train de jouer à super séduceur. Je ne vais pas rentrer dans son jeu aussi facilement. Mais attends, elle est en train de serrer pour elle-même ou je croyais qu'elle serrait pour sa copine? Par contre, serre tes jambes, personne ne veut voir As. Ah, jeu vidéo. Ta manette, elle est même pas allumée, gros con, va. Alors, j'étais occupé, je suis en train de conduire. Alors, tu as eu le temps de réfléchir. J'attends toujours ces trois choses intéressantes à ton sujet. Tu veux que je sois vraiment honnête? J'ai alterné partie de PlayStation et masturbation acharnée. Journée assez chargée. Et là, je conduis, c'est la folie sur la route et toi. Le problème, c'est que c'est pas comme les versions où le mec, il est, où la meuf sont live, du coup, t'as des réactions cool. Là, tu mets ça, mais les réactions sont nazes, quoi. Ah, il nous a sorti un BBC Bellhead. Well, there is honesty, and then there is honesty. What do you mean? He's playing PlayStation and wank him. I wonder if he's playing God of War. Je t'aime, toi. But anyway, block him, please. Je t'aime, toi. Bébé, viens. Viens dans mon jacuzzi, bébé. That's kind of my day, usually. Et ramène ta copine. Really? Yeah, not furious. Ouais, cet épisode n'est pas terrible, les gars. Oh, I'm so lovely to hear that. Cet épisode n'est pas terrible. All day is okay, isn't it? I know, still, no. No, still, no. What if you just got... Théma, c'est boucles d'oreilles. T'as envie de t'attraper, faire des loops avec. It's great. I don't think faire des backflips, des trucs comme ça. You need to have more to talk about. You played it? PlayStation and wanking. No. Wanking. No, wanking, c'est se branler en anglais. Get over it. Elle blairait à Benzou, la brune dans le jacuzzi. Ouais, mais il faut qu'elle ait des gros seins et un truc chelou. Avec ses gros seins et il lui manque un bras, ou gros seins et un mental de connasse. Ou... Il aime les meufs avec des gros seins, mais il faut qu'il y ait un truc. C'est genre, il y a des gros seins, mais il y a un truc qui est bancal.
C'est ça qu'il aime. T'as pensé à faire un Manu séduceur? C'est trop de boulot, les gars. Gros sein et un pénis. Ouais. Wanking, c'est jerking, un fouet, c'est se branler. Ouais. Une jambe en bois, je te jure. C'est ça. Benza, il peut pas juste prendre une meuf. Si une meuf, elle a des gros seins, mais elle est normale, oh, c'est pas pareil, mec. Alors, j'étais occupé, je suis en train de conduire. Allez. Yeah, I'll just lie. But I'm gonna get away with it. Ça, je bébé alerte. Le mec, en fait, il est pas en train de parler à la Renoir, il croit qu'il parle au petit mec, au petit Renoir de la boîte. He's driving. I hope he isn't texting and driving. Does he want to know the three interesting things or not? I don't know. I'll ask. Oh, elle est tombée sous le charme. I'm chilling with friends, so I guess you don't want what to know. What should I say? Let's just be straightforward. I'll say go on then. So you're playing Dirt Rally, obviously on PlayStation. Cool game. Gros sein qui louche et sociopathe. Ah, on sait déjà de qui tu parles. But he says he's out, you know. Café des Bois, c'est toi qui l'as dit, pas moi. She doesn't know. She doesn't know, but you maybe shouldn't tell her that he's just chilling at home playing PlayStation in his t-shirt and eating bananas and stuff. Gosh, no. C'est marrant parce que l'ex de Benza avait ni de gros seins, ni un truc bizarre. Enfin, de ce que j'en sais, je l'ai jamais rencontré. Okay, babe, what are those three interesting things going to be? I'm knowledgeable, I'm ambitious, and c'est un peu l'abbé Pierre du cul, notre Benzou, un saint homme. Exactement. La petite brune, elle est chauffée, mais la Renault, elle fait son casting perso, cette connasse, je te jure. C'est elle joue le même rôle qu'elle avait dans la boîte de nuit, la coque bloc en fait. Cool. She replied. She says she's creative. Mais on sait lire, bâtard, ferme ton cul. What shall I reply? J'ai les yeux de Gollum. La fidélité, c'est bien. Les chiens aussi. Les femmes qui se comportent comme des chiennes, c'est l'idéal. Ah, j'aime les femmes qui font preuve de créativité quand elles sucent pour que ça reste intéressant. J'aime les personnes créatives et j'imagine que tu es aussi spontané. Bon, il y a la réponse C, mais on va parler de fellation, c'est bien plus drôle. What to do? I know. I like girls who are creative with their blowjob techniques. Oh. She's gonna love this one. Ouais, il était sur la table, ouais. On sait pas pourquoi, mais. Oh, l'acting! Block his ass. Il y avait une actrice porno, je me rappelle plus son nom, qui lui ressemblait grave à elle. Et j'adorais la meuf. What do you think if you got that message? J'aime quand je me fais mordre le gland après la fellation. I don't particularly like you. Yeah. Not you, the person who said that stupid comment. But you like comment. Me, though, right? Pardon? But you like me. Some of the time. Oh, la chienne, elle est couchée. Always good to work in the spontaneity stuff. She'll love it. What did he answer? Manu, tu montes ta bite, ça t'assure. Ça suffit, t'as pas besoin du jeu. Nice one. We nice see one. This a few times in the game. Generally bringing up spontaneity is never a bad thing because most people would agree that they're interested in spontaneous and have various positive characteristics. Y a pas moyen que tu speedrun ce chapitre, il est pas top à part mater les meufs, pof. Ouais, c'est vrai qu'il est pas. You know, I once met a guy who asked me whether I was spontaneous. Ask me, yes, ask. T'es mal à perruque. On dirait qu'elle a mis une perruque sur une perruque. What did you do? Well, I kissed him. T'es mal les tombou en plus. T'es mal les tombou qu'elle a. You get the point. Not really. Not really. Okay. Let's at least make sure he doesn't want dirty pics. Not really. Not really. Ah, shit. I'm not so spontaneous to pictures. Send you dirty pictures. Actually, that means she's a good girl. Oh, ça veut dire que c'est une bonne meuf. C'est une fille bien. Ça veut rien dire du tout.
Tu fais partie des coincés qui ne baissent pas avant le 16e rendez-vous. Honnêtement, je préfère les filles qui savent se décider, qui baissent, en gros. Je n'allais pas te demander, mais on s'en fout de la deuxième réponse. On sait que c'est la bonne réponse, la deuxième. What to write? What to write? What to do? What to do? What to do? Je veux le nom de la brune au gros sein, moi aussi. Damn! Damn! I thought this guy was okay, but he's another dodgy guy. Tu penses faire du Mario Tennis? J'ai découvert le jeu via. J'en referai sûrement, mais c'est pas prévu pour l'instant. Usually, elle est insupportable, I la Renoir, je te jure que c'est vrai. On date 4, I think. Kiss on day 1, and then go from there. Okay. Oh, l'acting de la Carlucha. Totally wrong, very inappropriate. You took the words right out of my mouth. Manu, t'es marié, ouais. Enfin, j'ai une meuf. Pourquoi il est assis sur la table, ce con? Moi non plus, j'ai pas compris. Elle est sur Tinder pour se faire trancher ou pour casser les couilles par message, je te jure. Par contre, la meuf en maillot de bain rouge, je la fais décoller. Non, non. Elle a pas de ça, mais elle est jolie. Hein. Vraiment, elle a des jambes incroyables. Off Tinder onto iMessage. Ok. She wants a selfie. No biggie. We already have about 200... photos to choose from. Tu vois la meuf qui a oublié son texte ou pas? And he wants to move to iMessage. On a déjà that's quite smart. 200 photos qu'on you peut choisir. You have tons of people messaging you here, so of course, this is good. Obviously, asking for dirty pictures. T'as toujours ta Tesla? No-no. Ouais, sauf que j'ai changé de Tesla. J'ai pris le modèle X maintenant. Sending your own dirty pictures. Also a no-no. Absolutely not. And getting it off of Tinder and onto iMessage, our Tinder expert says it's very, very good because she's likely to have tons of guys messaging her in Tinder, so your messages could just be buried amongst like 30 other guys. And if you move it to iMessage or whatever other messaging application is common in your country, then that's a much better way to carry on things. Ooh. Ça, c'est pas con ce qu'il vient de dire, par oh, contre. Thank you, Mama. That looks lovely. De dire que, en fait, au lieu de continuer la conf sur, Tinder, si, quand la meuf est bien comme ça, lui dire de bouger ça sur iMessage ou sur un autre truc, comme ça, au lieu d'être perdu parmi les autres demandes, elle t'aura toi directement sur iMessage. C'est pas con. Sa mère trouve ça normal qu'il soit allongé sur la table. Normal. Ah bah, je ferai pas ça tous les jours. La faire patienter pendant que tu manges. Belle photo, désolé, j'ai rendez-vous d'affaires à tout à l'heure. Dire que ta mère a préparé à manger, mais qu'il ne faut pas croire qu'il se passe quelque chose de sexuel avec elle. Non, mais non. Oh, food or Tinder? Food, definitely food. Genre, il peut pas faire le même. Ah, il a fait ce texte, il a fait clac, 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 le texte est envoyé. He has a business meeting. I wonder what his job is. Maybe he's an architect. I love architects. Mm. And bankers are good too. À l'autre, elle, bah peut-être qu'il est architecte, au pif. So this is a difficult one, you know. I think that if you're naturally going to have a little break and you're doing something, you could maybe leave the phone and not answer, and that keeps her thinking about you in the interim. If you kind of say, okay, I'm going to my business meeting or to eat my lunch, aye, aye, aye. And I'll message you in an hour. It loses la michto de ouf, la blonde, je te jure. Sort of moi, j'aime les architectes ou les avocats. Is an hour in advance. It's not that romantic. Whereas if you just per chance are eating lunch and then you finish and then you text her, it's much more natural. Good to fit this stuff into your natural life, not to make it something contrived. You're always doing. Yeah. Got to answer now. We'll ask her whether she's obsessed with Instagram. He must be psychic. Maybe we should delay some pictures from today. 17 is a bit too much. Anyway, I'll just send this. Now we'll ask her whether she's ready to hear my rule.
Oh, he asked if we went to hear his room. If we, non, il parle à ta copine, c'est pas à toi qui parle, meuf. C'est pas à toi qui parle, hein. Il croit qu'il est en train de parler à ta pinko, hein. Pas toi. T'es pire que Mahmoud, toi. Hein. L'autre, il se pointe, il croit qu'il va... Il va rencontrer une petite meuf toute fine. Tu vois ce que je veux dire, les longues jambes et tout ça. Et c'est Wesley Snipe avec une perruque qui se pointe. Une scène avec les cinq meufs dans le jacuzzi. Ça te dit ouais. Ouais. J'élimine Wesley quand même. Elle fait flipper Wesley Snipes. Quand je reviens du travail, je veux que tu te mettes à genoux pendant que je te frappe avec ma bite. Oh, on calcule même pas les autres. What to write? Oh, I got it. Great line. Just wait for it. I will beat you with my cock, dirty little shit. Il m'a fait mal, Manu. Qu'est-ce qu'il a fait avec sa langue là? Oh God, he must watch too much porn and not understand women at all. Ça, ça sent l'Ougandaise qui est arrivée en Angleterre quand elle avait 12 ans. Oh là là, toi. Mais tu sais que dans quelques années, l'autre, elle va partir en couille physique. You are blocked, you nasty little shit. We are reporting you to Tinder. Ooh. Charlotte, you like c'était that ça sa réaction? No, I hate it. It's vile. It's actually awful, yeah. Putain, je suis au régime, je veux pas. Suis vieux jeu, donc si on a un rendez-vous, je prendrai ton manteau, j'ouvrirai la porte, je tirerai ta chaise. Et évidemment, j'insisterai pour payer. Si on a un rendez-vous, il ne faut pas regarder son téléphone pour vraiment apprendre à se connaître sans que le monde n'interfère. Allez, boum. Ok, she's ready to hear it. Here we go. En fait, le mec, il avait pas de règles. Il a juste dit, au fait, t'es prêt à entendre la seule règle que j'ai? Oh, that's pretty cool. I should have that rule, you girls. Elle dit, je devrais avoir cette règle avec vous, et c'est la seule qui est sur son téléphone. She agrees. Cool. Yeah, great, well done. Real pet peeve of mine. Mec, c'est quoi ces histoires, putain. Even if you've been dating for 10 years, this is an absolute no-no. Mais ferme ta gueule, toi. Ah, je peux pas zapper ça. Beautiful. Ah oui. God, she's sexy. Elle est sexy. I need to make this more sexual. Oh my God, look at that ass. Oh, what I'd do to that. Rien. Je n'aime pas les gens qui disent des choses déplacées sur Tinder, mais tu as un corps vraiment sexy. C'est une belle photo. Est-ce que tu sais combien de mecs se branlent en la regardant? Look how sexy she is. Oh my God. I know what to say. That's a good picture. La main qui passe sous la like guys when they're wanking over it, dirty slag. Dirty slag. He's probably right. To be honest. Le mec me fait penser à Kev Adams. Je te jure, Kev Adams en blanc. Don't en blond. Say that. Yuck. Yuck. I don't mind if guys touch themselves while they look at my pics. I take it as a compliment. Je vous avais dit que la blonde c'était la salope de la team. Just diabolical. Ta gueule, putain. Je n'aime pas les gens. Est-ce que tu vas souvent à la salle de sport ou est-ce que tu fais des envieuses en mangeant des burgers tout en gardant un corps de mannequin? C'est intelligent ça. Oh my God. Okay, I know what to write. Yeah, I had some questions. You can actually eat quite a lot and not get fat, bitch. Bitch. I'm hungry now, actually. Bitch. A bit of both. I go yes, to the gym, but I love it. Gourmet burgers too.
gourmet burger. This is cool because it is a physical compliment, but it's le micro a changé, son nice micro one. A changé là-dessus. It's a little bit. Ta gueule. Mec, il joue sa vie sur ce Tinder. How is he doing so far? Pretty well, right? Yeah, he is. We still don't know him that well yet. I know what to ask him. Okay. I know what to ask him. Putain. Oh, elle, elle est trop belle, putain. Il y a vraiment des meufs qui ont postulé. Je pense qu'ils sont allés dans une agence de mannequins. Oh, that's pretty good. Mais genre low-end, tu vois. Europe de l'Est. Oh, nice. Good job. Écoute, je serais ravi de répondre. Je t'appelle dans 5 minutes. Ça te laisse le temps de préparer ta plus belle voix. Je peux t'appeler ? Elle répond, d'accord. Pourquoi est-ce que les salopes comme toi pensent pouvoir poser cette question ? Tu veux qu'on se voit ou non ? Sinon, on va te faire foutre. Why is this stupid bitch asking me? Get the fuck out of here. Are you ready to meet me or not? If not, go fuck yourself. God, some men are so rude. He must have big problems in his life to be such a prick. Take a look. Don't show me what he wrote. What message to the other guys? Is that a good... Oh, merde. What to say? Je serais ravi de savoir ce qu'en pensent les féministes en général. Oh là là. Le mec il est bipolaire. Un coup il fait le BG, un coup il dit espèce de pute. That's the one. Great. Oh, he's gonna call. Go fuck yourself, un grand classique qui marche avec 100% des femmes. C'est clair. I'll speak to him. Il est gratuit ce jeu? Non, je crois que c'est 8 balles. Surprise him. Okay, cool. Okay, cool. Nice one. Yes, right choice. Moving it to the phone is great because, you know, getting to know someone by text, it can take a long time and not really tell you too much. Yeah, and I think it's a really good middle ground before you actually meet them to work out if there's any chemistry or a little bit of a spark. Ah, ta gueule. Oh. 8 euros pour se rincer l'œil, c'est raisonnable. Oui. Hello. Hi, Sam. Hi, Tanya. Oh, no, Sam. This is Stephanie, Tanya's friend. You need to speak to me first. Why? She doesn't need any joke. Guys, so I'll speak to you first. And if I like you, then you can meet her for a date. Yo. Okay? So, I guess... Comment je peux poser le jeu ou pas? Oh, c'est Sherlock Holmes, ce gars. J'aimerais trop pouvoir poser le jeu, putain, parce que je voulais vous faire un comparatif. C'est pretty weird, but what the hell? Let's do it. Cool. So Sam, tell me about those three best treats. La meuf, elle se kiffe. Je suis gentil, déterminé, drôle. Je suis gentil, déterminé, ambitieux. Et pourquoi est-ce que tu finirais pas cette phrase puisque tu me connais un peu maintenant? Blonds, yeux bleus, grosse bite. Blonde hair, blue eyes, big, hard dick. What? You're lucky you're on the phone and not with me. I will chop off your dick and hair with it. The hair on my dick? I shaved it already. What? Hello? 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 This guy is crazy. Ouais, moi pareil, hein. Si j'appelle et que c'est une copine qui me dit « Oui, il faut que tu me parles à moi d'abord », je dis « Yeah, t'es déjà trop relou, meuf. Au revoir. » I've got black long hair and green eyes. I'm decisive and very ambitious. And why don't you tell me the third one, since you know me a little bit now? Oh, cool. I guess you are quite bold. That's good. True, true. I am bold. Putain. Cool. Ta gueule. Are you a serious guy or just looking for sex?
Ça ne marche pas comme ça. Il faut d'abord que je la rencontre. Bien sûr que je la trouve jolie. J'imagine que je suis ouvert aux deux possibilités. Et si je la rencontrais avant de nous marier? Bien sûr, ce que je veux, me marier tout de suite. Pour quand faut-il réserver l'église? Je recherche vraiment du sexe. I'm seriously looking for sex. Excuse me? I've seen the look in Tanya's eyes. She needs to be banged immediately. I'm looking at her right now in her bikini and... C'est pas un bikini, teubé. C'est un maillot de bain. Ça, c'est un bikini. Bi pour deux. What sort of a dick is this, really? Putain. I'm done, really. I'm done. Oh. Je te jure, t'es en train de la ken, il y a la Renoir dans le coin qui dit « Non, 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 ça, tu peux pas. » Allez, boum. Well, we need to meet first because life doesn't work that way. I mean, obviously, I find her attractive. I guess I'm open to both. I like your honesty, Sam. Most people would lie. That's true. So, yeah, this is cool. I think anytime a woman asks you, you know, if you're a player or if you're serious, an honest answer like this, you know, works, which is that. How could you know at that oui. stage whether Salut, you can Binous. Be serious with her, but you're open to both, obviously. Même, tu cou- yeah, tu dois d'abord te faire accepter par ses potes, c'est relou, ah ouais, casse-couille. Je pense que c'est mon épisode que je kiffe le moins. C'est, il est tellement relou cet épisode. That's when you need a montage. Montage. Putain, je m'endors. On dirait que je te plais aussi. Est-ce que tu es canon? On pourrait tous coucher ensemble. Quand est-ce que Tanya pourrait me rejoindre pour un rendez-vous? Et si tu nous organisais un rendez-vous, je suis libre mardi et jeudi. Qu'est-ce qui serait mieux pour Tanya? Well, I think you like me too. Are you fit? Tanya's fit. I think we should all just bang. All right. Send your address. We'll come right now. It's 22 Canterbury Street, but... Come round the back, cause Mum's gonna be in. Yeah, I'll send my brothers right away. Dick. Oh shit. Mama. 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 Mommy. Mum. Mama. Mama. Mommy. Ta gueule. On sait que c'est la mauvaise réponse. Allez, organise un rendez-vous, meuf. Well, since you're the matchmaker, Stephanie, organise-nous un rendez-vous en boîte à la plantation. Les vrais connaissent. La plantation represent. So this is cool because a lot of guys make the mistake of saying, when are you free? Pour tous mes potos, la plantation, Paris, boîte de Carlouche, on est là. They are free all the time. They have nothing to do. Yeah. They're just at home playing. J'adore le TG de Manu, tellement cru. Playing games on Steam. Ouais, ouais. Okay, merci Erard de rejoindre la team Kenneth. À partir de maintenant, nous sommes frères. So what do you learn from this game? Nothing. So what do you suggest? I'm much better with women than those people. She won't meet you for drinks. Sure. I know what you Tinder guys usually try. Je ne suis pas un mec Tinder comme les autres. Je tente la sodomie dès le premier rendez-vous. C'est vraiment dommage que tu aies dit que t'étais un que j'étais un mec Tinder. C'est dommage, je me disais qu'on pourrait aller au Heroes, ce super nouveau bar à cocktail. Allez. You know, I'm not your average Tinder guy. In fact, I go for anal on the first date. Ah, il y a sa mère, il dit je fais l'anal. Ew. What did he say? Don't ask me. Shit. Don't ask me. Shit. Je vais en faire des cauchemars. So, Mom, it wasn't what you think. Mama, mama. Just mama. Killed a man. Mom. Put Sorry, a gun mom. Against his head. Mom. Pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. C'est vraiment dommage que tu aies dit que j'étais un mec Tinder. C'est dommage, je me disais qu'on pourrait aller. Well, that's a real shame, because I was going to take her to an amazing new cocktail bar called Heroes. I'm not sure if that's what all Tinder guys do, but I think we both know this is different. Well, that sounds okay, actually. You like cocktails? I really do. I really do. Okay.
préfère de loin cet épisode au film interactif Black Mirror. C'est parce que t'as pas vu la version Black Mirror. Oh, l'épisode le plus relou, sa mère. On peut même pas se marrer, c'est même pas fun. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait le ouf, tu vois ce que je veux dire. C'est même pas drôle. Le cocktail au foutre, elle aime. Très bien dit. Très bien, dis-moi quel restaurant. Il t'a dit le Heroes, sale pute. Je ne peux pas te faire subir mes épouvantables manières à table dès le premier rendez-vous. Tu sais quoi? J'adore sortir dîner, mais c'est un peu trop sérieux. C'est plutôt pour un deuxième rendez-vous. Mais ferme ta gueule. Okay, well, can you tell me a good restaurant and I'll book it? El Romanticos. It's a great place and they have an awesome menu. El Romanticos. It's only $250 per person. Okay, I'll go check it out. Maybe. Bye. Ah merde, elle a pris un truc à 250 balles par personne et elle a dit ah bah non. Super michto. Je peux pas te faire subir mes épouvantables manières à table dès le premier rendez-vous. C'est quoi, j'adore sortir dîner, mais c'est un peu trop sérieux. I do love going out to dinner, but I think it's a little formal for the first date. Maybe on the second date, which I'm already thinking about by the way. Of course, I hear you on the dinner. That's kind of true. And she wouldn't mess it up. Good. Non, mais la copine, elle va arrêter de faire la belle et elle va filer le téléphone à la vraie meuf, je te jure. Nice one. Okay, Sam, I'll pass the phone to Tanya. Oh, finalement! Et après tout ça, la Renoir, elle dit non, il est pas terrible. Stephanie said that you seem decent enough. Okay, I will meet you. Que t'as l'air décent, assez décent. D'accord, je te rencontre. Et là, c'est là que je lasse. Mais ferme ta gueule, grosse pute, va te faire opérer. If I have nothing good to do, I will meet him. Yeah, it was okay. Résultat Casanova. That's the right move in this case. Les gars, on est d'accord que celui-là, c'était un peu full bullshit quand même. Celui-là, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas terrible, quoi. Cet épisode, c'était l'épisode le plus chiant, quoi.